l'État, bien évidemment, apporte un soutien déterminant aux exportations de défense. Les exportations de défense, pour ceux qui ne sont peut-être pas trop familiers avec ces affaires-là, sont des processus longs, complexes, dont le succès dépend pour l'essentiel du niveau de mobilisation des industriels, bien sûr, mais ça, il n'y a pas d'inquiétude, puisque ce sont les premiers gagnants du processus, mais également du niveau de mobilisation des autorités nationales et des administrations compétentes. Donc si une négociation est bien la traduction, en quelque sorte, d'un dialogue entre un État acquéreur et un industriel vendeur, l'État est quand même là en sa qualité de facilitateur. Il le fait à plusieurs niveaux, si je puis dire. D'abord, il y a la création par les autorités nationales d'un vrai environnement favorable aux exportations, tant dans l'aménagement de nos processus internes étatiques, et administratifs et industriels, que dans l'évaluation et la prise en compte des perspectives commerciales. L'État intervient également en appui technique ou financier lorsqu'il y a des négociations particulières. Et enfin, je rappelais à l'instant la synergie qu'il pouvait y avoir entre les commandes nationales et l'export. Eh bien, l'État encourage finalement l'industrie de défense tout simplement par ses commandes. Et depuis quelques années, il concentre des efforts budgétaires jamais égalés depuis 20 ans d'ailleurs, en matière d'équipement de la défense nationale. Et je rappelle à cet égard que le projet de loi de finances 2012 prévoit en matière d'achat d'équipement un budget de 16,5 giga-euros, ce qui est une augmentation de 3% par rapport à ce qui était voté l'année dernière dans le cadre du projet de loi de finances 2011. Alors évidemment, le ministère de la Défense et des anciens combattants joue un rôle essentiel dans cette affaire. D'abord à travers les actions de coopération militaire qui sont définies par l'état-major des armées dans le cadre des directives du ministère des Affaires étrangères européennes, la direction générale pour l'armement et au premier chef sa direction du développement international dont certains représentants sont ici, est également un acteur clé de la coopération en matière d'armement. La DGA, dans ses missions, soutient les industriels dans leurs négociations. C'est elle qui pilote les entretiens avec un certain nombre de délégations étrangères, notamment lors des grands salons internationaux que sont le Bourget, Euronaval ou Eurosatory. Et bien sûr, la DGA appuie les entreprises françaises lorsque celles-ci décident d'apparaître sur des salons. L'exportation française de matériel de guerre repose sur des principes extrêmement rigoureux de contrôle et de transparence. Et ces principes s'inscrivent à la fois dans le strict respect de nos accords internationaux, c'est-à-dire les chartes, traités, les textes, les conventions auxquelles la France peut être partie, mais également dans le respect de tous les embargos qui sont décidés par les organisations internationales dont elle est membre. Par ailleurs, ces principes de contrôle et de transparence s'inscrivent dans la modernisation constante de notre propre système de contrôle. La France, vous savez, contribue énormément aux processus internationaux en cours d'élaboration, mais également, elle a intégré ces derniers mois un certain nombre de directives européennes dans son propre droit national. Le cadre de la montée en puissance de la législation européenne dans ce domaine, 2011 a été une année de poursuite de la dynamique européenne dans ce domaine. Vous vous souvenez que en 2008, et vous l'avez rappelé, mon général, nous avions sous présidence française travaillé pour faire en sorte qu'un code de conduite européen soit adopté. Cela s'était transformé un peu plus tard en une position commune. Quel était l'objectif de la démarche? C'était d'harmoniser les législations européennes diverses en matière d'exportation en pays tiers, et puis de promouvoir une certaine harmonisation au niveau des normes d'exportation entre tous les pays européens. Depuis lors, nous avons fait un pas supplémentaire dans une intégration juridique européenne plus forte encore, avec l'adoption de la directive à laquelle vous êtes également référé et qui a pris la directive européenne de 2009, qui a été introduite dans notre droit national par une loi de 2010 et qui doit faire l'objet d'un décret qui est en cours d'élaboration, et là qui a un autre objectif, mais qui s'inspire de la même dynamique d'harmonisation européenne dans ce domaine, et qui consiste précisément à harmoniser les règles d'exportation ou d'importation d'armement au sein même de l'Union européenne, de manière là aussi à avoir davantage de cohérence dans les échanges
infra-européen, et puis également de participer, ce faisant, à ce qui est également l'un de nos objectifs en matière de défense européenne, c'est-à-dire de renforcer d'une certaine façon une base industrielle militaire européenne. Donc je crois que cette trajectoire, en ce qui nous concerne dans le domaine européen,